Seigneur, nous acclamons ta présence ce soir. Ne cesse pas d'acclamer tant que je n'ai pas dit l'amour. Acclamer sa présence à ta main et son côté ta main. Unction of God, Spirit of God, dear Lord. Nous voulons te dire, Seigneur, ne pas te louer, Jésus. Ce soir, nous voulons te dire, oh Seigneur, ne pas pour tes bienfaits, pour ta compassion, Jésus. Pour tes bontés et ta miséricorde, ta fidélité, ta capacité, Jésus. Pour ton onction et ton autorité, comment ne pas te louer, Jésus. Pour ton salut et tes compassions et tes bienfaits, comment ne pas te louer, Jésus. Pour le ministère du Saint-Esprit, comment ne pas te louer, Jésus. Pour l'assistance du Saint-Esprit, comment ne pas te louer, Jésus. Pour ta présence au milieu de nous, comment ne pas te louer, Jésus. Pour ta miséricorde, comment ne pas te louer, Jésus. Pour ta direction chaque jour, comment ne pas te louer, Jésus. Pour l'assistance du Saint-Esprit, comment ne pas te louer, Jésus. Pour la force de ton esprit, comment ne pas te louer, Jésus. Pour ta présence au milieu de nous, comment ne pas te louer, Jésus. Pour ta direction encore ce soir, comment ne pas te louer, Jésus. Comment pour ta présence, comment ne pas te louer, Jésus. Comment pour ta présence au milieu de nous, comment ne pas te louer, pour ton œuvre dans nos vies, comment ne pas te louer, pour tes paroles envoyées, comment ne pas te louer, Jésus. Elles ne seront pas interceptées, comment ne pas te louer, Jésus. Aucune de tes paroles ne reviendra à toi, comment ne pas te louer, Jésus. Sans avoir accompli le mandat divin, comment ne pas te louer, Jésus.
pour la manière dont tu bâtis l'église. Comment, pour la manière dont tu transformes nos vies. Comment ne pas te louer, Jésus? Pour ce que tu feras ce soir, comment? Pour cette sainte convocation, Seigneur, comment ne pas te louer? Quand je songe à ta fidélité, toi qui entends les cris des justes, Seigneur, rédempteur et bienfaiteur, pour la manière dont tu nous assises, tu nous as fait déjà triompher, alors tu nous as déjà rendu victorieux. Nous avons tout pleinement en toi, chef de toute autorité, chef de toute domination, tu as commencé une belle œuvre, car tu la rendras parfaite, pour ton salut, baptise, toi qui nous fais toujours triompher.
Toi qui baptise de feu et de Saint-Esprit, toi qui es le chemin, la vérité et la vie, toi qui nous fais disciples, toi qui nous fais témoins. Gloire te soit rendue, toi qui nous fais toujours triompher en Christ et qui répond à travers nous le parfum de la connaissance de Dieu. On sait un parfum de vie. Mais vous les méchants, c'est un parfait de mort qui se propage et qui les atteint au nom de Jésus-Christ. Comment? Toi qui nous fais triompher, les camarades, toi qui avec eux, à travers toi nous accomplissons les exploits. Au nom de notre percée. Au Dieu de notre distinction, toi qui nous as racheté par ton sang précieux, comment, comment, toi qui as plané nos sentiers, mon berger, les rochers, comment, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts, les portes de l'enfer, les portes de Paris, le prêt votre pas, les portes de la France. Et tu as dit, à propos de Abraham, tu as dit à Abraham, Abraham, ta postérité postérera la porte de ses ennemis. Abraham, ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Et tu as fait la postérité d'Abraham, celle qui possède les portes de ses ennemis. Comment? Celle qui possède les portes de Paris, celle qui possède les portes de l'île de France, celle qui possède les portes des régions, celle qui possède les portes de la France. Il s'agissait de nous. Comment? Celle qui possède les nations et les extrémités de la terre. Dieu, des co-héritiers avec Christ, grâce à ton sacrifice à la croix. Come on.
rendrai tes bienfaits en faveur des fils de l'homme. Toi qui entends, toi qui réponds, toi qui réponds, qui réponds par ton feu, libérateur. Auteur de notre percée, Dieu de compassion, nous louons le Dieu de miséricorde. Comment,
Et tu as agi parce que tu as entendu mes cris, mes larmes, mes supplications. Et tu n'es pas insensible. Tu ne dédaignes pas un cœur contrit et brisé. Tu ne dédaignes pas un cœur qui s'humilie. Tu ne contestes pas à toujours dit ta parole. Lorsque s'humilie devant toi ton peuple, que tu as fait. Parce que tu te souviens que nous ne sommes absolument rien. Et que devant toi, nous ne sommes que comme poussière. Tu ne contestes pas à toujours. Tu te souviens de tes compassions. Tu te souviens d'avoir miséricorde. Et ce soir, nous voulons te louer. Et nous te louerons toujours. Car tu as agi. Tu as agi à Golgotha. Et tu manifestes ce qui a été accompli à Golgotha. Dans nos vies, ici bas sur la terre, lorsque nous t'implorons, lorsque nous invoquons ton nom, lorsque nous crions à toi, Seigneur, nous voulons te rendre grâce de ce que tu entends. Et tu réponds par le feu, car tu as agi. Voilà pourquoi je te louerai toujours. Alors ce que tu vas faire avec moi ce soir, tu vas louer ses qualités, tu vas louer ses attributs. Tu vas louer ses fidélités. Tu vas louer pour sa bonté. Tu vas louer pour sa miséricorde. Tu vas louer pour sa patience. Tu vas louer pour sa paix. Tu vas louer pour son exaucement. Tu vas louer, tu vas louer, tu vas louer. Et tu vas élever la voix. Nous allons élever la voix. Tu vas dire merci pour tes compassions. Merci pour ta miséricorde. C'est celle qui a détourné de moi le jugement. Tu vas dire merci pour ta grâce. C'est celle qui me permet de me présenter devant le trône de la grâce avec assurance afin d'être secouru dans tous mes besoins. Merci d'avoir tout accompli, d'avoir tout disposé pour nous. Non, tu n'as pas attendu que je vienne au monde. Tu avais tout accompli avant la fondation du monde, Père. L'agneau avait été livré pour nous avant la fondation du monde. J'ai juste envie de te louer, juste envie de proclamer tes attributs, proclamer tes bienfaits. Qu'est-ce que tu connais des bienfaits de Dieu? Ne t'arrête pas à ta vie, va dans sa parole et réproclame. Proclamons les bienfaits de Dieu. Allez, papa, les mamans. Les mamans, les mamans. Les cosopracates, la maman.
Exaltons ses bienfaits. Exaltons ses attributs. Exaltons, proclamons, louons son nom. Louons sa fidélité. Louons ses bontés. Louons ses bienfaits. Louons ses compassions. Louons ses grâces. Louons sa bienveillance. Louons sa patience envers nous. Heureusement que tu es patient envers nous. Heureusement que tu as compassion de nous. Heureusement que tu ne contestes pas avec nous. Nous n'avons pas d'argument. Heureusement que tu as pitié. Heureusement que tu relèves celui qui est tombé, selon qu'il est écrit dans ta parole. Cette fois le juste tombe, le Seigneur le relève. Heureusement que tu relèves. Heureusement que tu délivres de la folie qui est attachée au cœur de l'enfant. Heureusement que tu châties. Tu châties afin de me faire participer à ta sainteté. Comment? Non, élève la voix, proclame. Proclame, Blue, proclame ses bienfaits. Aïe, la 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 la. Oh merci de ce que toi au moins tu ne sommeilles ni ne dors. Les chefs de l'État, les pasteurs, les ministres, les apôtres dorment. Mais toi tu ne sommeilles ni ne dors. Lorsque je lève les yeux, chaque fois que j'ai levé les yeux vers les montagnes et que je me suis posé la question de savoir d'où me viendra le secours, merci de ce que le secours est venu du Seigneur qui a fait les cieux et la terre, qui n'a pas permis que mon pied ne chancelle, qui ne m'a pas laissé suivre le chemin de la perdition, qui ne m'a pas laissé suivre le chemin de la confusion, qui ne m'a pas laissé suivre le chemin de la destruction, mais qui m'a sauvé par grâce, sauvé de moi-même, sauvé du diable, sauvé de la chair, sauvé du monde. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas t'exalter? Oh merci, l'une était ton amour, l'une était tes compassions. Je ne serai peut-être plus sur la terre des vivants. L'eût été tes bontés, l'eût été ton amour, l'eût été ta miséricorde, l'eût été ta grâce, l'eût été ton salut. Je ne pourrais pas prier, je ne t'aurais pas reçu. Oh, je n'aurais pas reçu ta parole. J'ai juste envie ce soir de célébrer ton nom, de te louer car tu agis, 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 de te louer comment? Élève la voix et proclame, reconnais, remercie, louant, louant pour ses bontés, louant pour ses attributs, élevons-le pour sa victoire. Quand on dit loue-le, pense à tout ce qu'il est, pense à tout ce qu'il est, pense à tout ce qu'il a fait. Et en sens le, et en sens ce qu'il est, en sens ce qu'il a accompli. Et le voleur. Oh, nous louons celui qui est pour nous un feu dévorant, celui qui nous environne de sa grâce comme d'un bouclier, celui qui prend soin de nous, celui qui veille sur nous et qui nous arrache à tout danger.
Nous louons celui qui nous a crucifiés avec lui, celui qui nous a ensevelis avec lui, celui qui nous a ressuscités ensemble avec lui, celui qui nous a fait asseoir ensemble avec lui. Nous louons. Nous louons le Dieu omniprésent. Nous louons le Dieu omniscient. Nous louons le Dieu omnipotent. Et comment si tu ne sais pas le louer, tu n'arrives pas à le louer, alors enchaîne en esprit. Ma Bible dit que tu rends d'excellentes actions de grâce lorsque tu rentres à son esprit. Célébrons son nom. Quand tu as agi, ça va te passer. Aïe, ma bague, la maman, il a pas de dos aux prières, nous le Tout-Puissant, loue-le parce qu'il est Tout-Puissant. Sa puissance est au-dessus de toutes les puissances. Loue-le parce qu'il entend. Loue-le parce qu'il répond. Loue-le parce qu'il pardonne. Loue-le parce qu'il fait surabonder la grâce là où le péché avait abondé. Loue-le parce qu'il ne regarde pas à nos iniquités, à nos péchés, à nos transgressions, parce qu'il ne proteste pas à toujours. Loue-le parce qu'il répand sa pluie sur les bons comme sur les méchants. C'est à cause de ça qu'au jour de ton inconversion, au jour où toi et moi, nous n'étions pas convertis, il nous a quand même gardés, il nous a quand même protégés, il nous a quand même préservés du danger. Même avant que nous ne le connaissions. Loue-le parce qu'il t'a connu d'avance. La Bible dit ce qu'il a connu d'avance. Il les a aussi prédestinés. Il l'a destiné à l'avance à être semblable à l'image de son fils premier-né. Loue-le de ce que alors qu'il ne le connaissait pas, il le connaissait déjà. Loue-le pour cela. Oh merci de ce que, bien avant que je sois formé dans le ventre de ma mère, tu me connaissais déjà. Tu me connaissais déjà. Tu m'avais déjà mis à part. Et face à ce que tu as connu d'avance, tu les as prédestinés. Et ce que tu as prédestiné, tu les as appelés. Loue-le de ce que ton salut, ton appel, ton élection n'est pas le résultat du hasard. C'est le résultat d'un plan savamment et divinement conçu avant la fondation du monde. Oh, je suis reconnaissant. Et comme un rêve raccourci, prêt à délégoser, il n'est pas dans les mains. Ce que tu as connu d'avance, tu les as prédestinés. Ce que tu as prédestiné, tu les as appelés. Merci de m'avoir appelé. Mon appel n'est pas le résultat de mon intelligence. Mon appel est le résultat de ta grâce. Selon qu'il est écrit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ce n'est pas par vos œuvres, afin que personne ne se glorifie. Oh merci. Ce que tu as appelé, tu les as justifiés.
ceux que tu as justifiés, tu les as sanctifiés. Ceux que tu as sanctifiés, tu les as glorifiés. Ça veut dire, tu les as destinés à manifester ta gloire sur la terre. Comment douter? Comment douter? Si tu vois une personne qui te dit je te construis ta maison sans que tu ne lui aies demandé, tu le désirais mais tu ne l'as jamais demandé, comment douter de la crédibilité et de la fiabilité, de la capacité et de l'intégrité d'une personne qui te dit je vais te construire ta maison et tu as vu qu'elle a commencé le chantier sans que tu ne lui donnes un franc. La personne qui t'a dit je vais te construire ta maison et elle est elle-même prendre les matériaux. Elle a mené sur le chantier. Elle a commencé les fondations. Elle a commencé à tout nettoyer. L'édifice n'est pas encore fini. Mais sans que tu n'aies mis un franc, sans que tu n'aies demandé quelque chose, cette personne s'est déployée totalement. Et la maison est immense et excellente, au-delà de tes rêves et de tes espérances. Si tu vois une personne ainsi, et tu sais qu'elle est toute puissante et qu'elle a toutes les ressources nécessaires, tout ce dont tu as besoin, c'est que cette personne soit désireuse, c'est qu'elle soit disposée à te faire du bien. Est-ce que tu pourrais douter quand tu as vu la personne commencer à te faire du bien? Est-ce que tu pourrais douter de sa capacité et de sa bienveillance et de cette disposition à finir ce qu'elle a commencé? Lorsqu'elle savait, lorsqu'elle t'a proposé ça, elle savait que tu étais une personne imparfaite. Elle savait que tu étais une personne qui n'était pas irréprochable. Elle avait beaucoup de choses qu'on pouvait te reprocher. Elle connaissait tes faiblesses. Elle connaissait tes failles. Elle connaissait tes manquements. Elle connaissait tes souillures. Elle connaissait derrière le rideau ce que tu faisais. Elle savait ce que tu pensais lorsque tu n'ouvrais pas la bouche, les mauvaises pensées qu'elle a que tu avais. Elle connaissait tous tes secrets. Rien n'était caché devant sa face. Dis-moi, lorsque malgré autant de manquements et d'imperfections, de péché et parfois d'iniquité, cette personne a quand même décidé de te faire du bien. Et elle t'a dit, je connais ta vie, mais j'ai envie de te faire du bien. À toi et à ta postérité. Alors tu pourrais lui poser la question de dire, mais pourquoi moi? Parce que tu ne comprendrais pas un tel élan d'amour, de compassion, de miséricorde, d'attention et de bienveillance. Si tu lui demandes, mais pourquoi moi? Imagine qu'elle te réponde, ça n'a rien à voir avec toi. Avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. J'avais déjà pour toi des projets de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. Ça n'a rien à voir avec ce que tu as fait. Ça n'a rien à voir avec ton comportement. Voilà pourquoi n'essaie pas de mériter. N'essaie pas de mériter ma grâce. N'essaie pas de mériter cette bienveillance. N'essaie pas de mériter les choses. Ça n'a rien à voir avec ton mérite. J'avais déjà acté cette décision dans toutes tes imperfections et tes souillures. Ça n'a rien à voir avec toi. Ça a juste à voir avec le fait que avant que tu ne sois incarné dans un corps,
tu étais un esprit que j'avais créé. Et à l'état de créature spirituelle, quand je t'ai vu, je t'ai aimé. Je t'ai aimé. Ça n'a rien à voir avec tes accomplissements. Je t'ai aimé dans mon amour souverain, dans ma bonté infinie, dans mon immense amour. Et je t'ai choisi. J'ai mis la main sur toi. J'ai dit, quand elle s'incarnera sur la terre, je veux qu'elle vienne à mon service. Je veux qu'elle me serve. Quand elle viendra, je sais déjà que les ténèbres vont couvrir la terre. Je sais que Satan aura perverti la race humaine. Mais cette personne-là, quand elle sera incarnée, je la mets de côté. Elle ne sera pas destinée à la colère. Je la destinerai à la miséricorde et au salut. Je ne la laisserai pas finir en enfer. Un jour, dans son parcours, je me révélerai à elle. J'inclinerai son cœur. Je dirai, je suis le Père. Reviens à la maison, enfant prodige. Reviens à la maison. Tu es un enfant perdu, mais tu es un enfant prodige. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas un porc. Tu n'es pas un porc. Tu ne peux pas rester au milieu des porcs. J'avais pour toi des projets de paix avant la fondation du monde. N'essaie pas de le mériter. Toutes tes bonnes œuvres, tes bons comportements, toute ta bonne moralité, tes bonnes actions ne pourraient jamais m'emmener à te construire, à te bâtir ce que j'ai décidé de bâtir, parce que tes bonnes œuvres ne pourraient pas l'acheter. Elles ne pourraient pas acheter ma grâce, ma miséricorde et mon salut. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Tu n'as pas eu à faire d'efforts. Tu as juste à dire merci. Et lorsqu'on te raconte ce genre d'histoire, et que tu vois ta condition, tu vois tes limitations et tes manquements si nombreux, une mélodie sort de toi et dit comment? Comment ne pas dire merci? J'aurais jamais pu construire ce genre de maison. Et le genre de maison dont je parle, le genre d'édifice dont je parle, n'est pas un édifice physique. C'est un édifice spirituel. C'est un homme intérieur appelé Christ, pleinement formé. Tu ne peux pas bâtir ça. Ce genre de vie dont je parle, tu ne peux pas l'acheter. Les milliards ne peuvent pas l'acheter. Voilà pourquoi Steve Jobs, le fondateur d'Apple, avait des milliards, mais il était détruit par la maladie. Cette vie dont je parle te permet de triompher de la maladie. Tu ne peux pas acheter ça avec des milliards. Le jour où tu prends conscience de cette grâce, ton cœur devient un cœur de louange. C'est quand tu es inconscient de la grâce que tu perds la mémoire et tu deviens plaintif. Comment peux-tu douter si ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés? Ce qu'il a prédestiné, il les a appelés. Si tu es là, c'est que tu as été appelé. Ce qu'il a appelé, il les a justifiés. Il les a déclarés non coupables. Si tu es là, c'est que tu es non coupable. Ce qu'il a justifié, il les a sanctifiés. Il les a mis de côté. Si tu es dans sa présence, c'est parce que tu avais été sanctifié. Comment douter de ce que ceux qu'il a sanctifiés, il les a glorifiés? Pourquoi douter de ce qu'il n'y a pas d'autre issue à ta vie et la manifestation de sa gloire? Avant de prier, ne prie pas. Comment fais-tu pour douter de ce que cette histoire va bien finir? De ce que ce témoignage va bien finir? Pourquoi tu t'arrêtes aux épreuves? Comment peux-tu douter quand tu vois qu'il a réalisé trois quarts du plan et qu'il lui reste un quart? Comment peux-tu douter de sa capacité à réaliser le dernier quart alors que sans ton intervention, il a réalisé les trois quarts? Et parce qu'il y a des difficultés économiques, parce qu'il y a des circonstances défavorables, comment peux-tu douter de la capacité de celui qui a commencé l'ouvrage à rendre l'ouvrage excellent, une merveille aux yeux des hommes?
un prodige aux yeux des hommes, un sujet d'étonnement, un miracle, un signe dans son épaule. Comment peux-tu douter? Comment peux-tu douter? Comment ne pas, lorsque je médite sur ces choses, lorsque je médite, tu n'es pas ton alpha, c'est moi l'alpha. C'est moi qui achèverai. Tu ne peux pas regarder à la crise, aux crises, il y aura toujours des crises. C'est une conséquence du péché de l'homme. Il y aura toujours des crises. Dans tous les domaines, il y aura des crises. Mais comment douter de ma capacité à achever et à manifester ma gloire lorsque j'ai commencé à bâtir ta vie, à bâtir ton homme intérieur, à bâtir ma vie en toi. Sois confiant, reste focalisé, reste contemplatif. Bannis la crainte, bannis l'inquiétude, bannis le doute, bannis l'angoisse. Et loue simplement. La louange crée un climat propice au ministère des anges. Comment? 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 Je n'ai jamais promis qu'il n'y aura pas de crise. Je ne l'ai jamais écrit dans ma parole. Jamais, non. J'ai dit dans Jean 16, 33, vous aurez beaucoup de tribulations dans le monde. Je l'ai écrit, mais j'ai dit, prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Comment, comment? Je n'ai jamais dit qu'il n'y aura pas de feu rouge. Je ne t'ai jamais promis que ta vie sera une succession d'enchaînements de feu vert. Jamais. J'ai promis de finir ce que j'ai commencé. J'ai promis d'être l'alpha et l'oméga de ta vie. Comment? Je n'ai pas promis qu'il n'y aura pas d'adversité. J'ai promis que quand je commence, je finis. Les patates et les mots, ça t'aime, maman. Comment, comment? Allez, mes barres. Et les ramas et les barres. Bienveillance pour ton salut, comment pour ton plan parfait, ta volonté qui est faite au ciel, que tu manifestes sur la terre, que tu manifestes en nous, que tu conduis pas à pas. Lorsque je tombe, tu me relèves et tu me fais continuer d'aller de l'avant. Ton plan n'est pas changé du tout, non. Oui, c'est vrai que parfois je l'ai retardé. Et ton plan n'a pas changé. Car les desseins, car l'appel et les dons de Dieu sont irrévocables. Ils ne changent pas. Il ne modifie pas son plan. Oh,
si tu as fait une partie du travail. Nous ne doutons pas de la foi. Merci de ce que tu l'as commencé. Ça veut dire que nos vies ne finiront pas dans la tristesse. Merci, nous te louons pour cela. Mais ne finiront pas dans l'embarras. Ça veut dire que cette année 2017 ne continuera pas la tête baissée. Cette année 2017 ne sera pas une année de frustration, non. Cette année 2017 sera une année de louange à la gloire de ton nom. Cette année 2017 sera une année d'humilité. Nous regarderons en arrière et nous verrons comment hier nous essayons par nos efforts. Nous avions tenté par nos efforts. Nous croyons que c'était la sainteté qui allait amener le mariage jusqu'à ce que nous réalisions que ce n'est pas la sainteté qui amène le mariage. Ce n'est pas la sainteté qui amène le témoignage. Hier, nous étions saints. Nous nous appliquions à être fidèles avec des arrière-pensées pour que tu fasses un retour. N'étant pas conscient que tu as déjà tout accompli et que la raison pour laquelle tu manifestes les choses, tu prends plaisir à la sainteté car tu es saint. Tu attends de nous que nous soyons comme tu es. Mais la sainteté ne te fait pas plus plaisir. Parce que la sainteté n'est que le normal de la nouvelle création. La sainteté ne lui fait pas plaisir. La sainteté le rassure et lui montre que tu as compris c'est quoi ta normalité. Ce à quoi il prend plaisir, c'est à la confiance, à la foi, dans sa grâce, dans sa capacité. Lorsque ta vie, lorsque tu es conscient de sa grâce, lorsque tu lui fais confiance, tu es content. Parce qu'il prend plaisir, ma Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui faire plaisir, de lui être agréable. Il prend plaisir lorsque tu lui fais confiance. Mais je parle d'une confiance qui n'est pas théorique, une confiance qui est démontrée par les œuvres, car la foi sans les œuvres est faite. Je ne parle pas d'une foi qui dit je crois et qui tourne le dos à Jésus, non. Je parle d'une foi qui fait confiance à Jésus au point de lui dire j'avais mon agenda, mes plans pour ma vie, mais je choisis de te faire confiance et de te suivre, de renoncer à mes propres plans, à mes propres projets, à mes ambitions personnelles. La foi sans les œuvres est morte, elle est faite. Une foi qui ne suit pas est une foi qui ne durera pas longtemps. Ça devient de la croyance. Mais je refuse la croyance. Je choisis la foi. La foi suit. La foi parle. La foi obéit. Parce que la foi montre les œuvres. Et Dieu prend plaisir non à la croyance, mais à la foi. La foi se repose. La foi s'appuie sur lui. La foi lui dit, je ne sais pas pourquoi je traverse cela. Je ne sais pas le plan que tu as prévu derrière. Mais je sais qu'il y a un plan. Et je sais que quiconque espère en toi ne sera pas confondu. Et je sais que j'ai déjeuné, j'ai vieilli jamais. Je n'ai vu le juste abandonné de l'éternel. Ni sa postérité manquer son pain. Je ne peux pas tout comprendre. Je n'explique pas le puits.
Je n'explique pas la prison. Je n'explique pas la grotte d'Adulam. Je n'explique pas la grotte d'Engeli. Mais je sais que derrière tout ça, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Je ne sais pas pourquoi, mais je sais que toutes ces choses sont additionnées. Circonstance 1, circonstance 2, circonstance 3, circonstance 4. Et à la fin de la journée, je ne sais pas par quel miracle, mais tu vas faire une équation. Tu vas les additionner et faire sortir de là un témoignage à la gloire de ton nom. Voilà pourquoi. Moi je te loue en avance. Parce que je sais qu'il y a un plan divin. Je sais que tu ne, je sais que tu continues de voir. Je sais que tu n'as pas oublié. Je sais que tu n'as pas délaissé. Je sais que tu es avec moi. Je sais que tu es toujours là. Je sais que tu entends les cris. Je sais. Comment? Tu vois les circonstances défavorables, circonstances 1, circonstances défavorables numéro 2. La première, c'était le puits. Tu rajoutes à cela la prison. Tu rajoutes à cela les fausses accusations de Madame Potiphar. Tu rajoutes à cela la condamnation de Potiphar, monsieur. Je ne vois pas comment tout cela ensemble peut engendrer un témoignage. Je n'ai aucune idée. Je ne vois pas comment ma vie va finir. Mais Dieu prend plaisir à la foi, pas à la croyance. Parce que la foi dit, je n'arrive pas à l'expliquer, mais je sais que toutes choses s'additionneront ensemble et vont générer un résultat à la gloire de son nom pour le bien de ceux qui m'aiment. Pour le bien de ceux qui continuent d'obéir, malgré les zones de turbulence, ceux qui continuent de serrer sa parole dans leur cœur, toutes choses pour eux, pour ceux qui continuent d'aimer, pour ceux qui continuent d'intercéder, pour ceux qui continuent d'être fidèles, d'être loyal, d'être honoré, ceux qui continuent de semer, toutes choses. Il a mal à vos sables à il a mal à sa gêne, mal à gêne, caché et qui ne nous révèle pas souvent.
femme, tu es obligé de dire waouh. Tu veux dire que même ce malheur-là dans ma vie, même cette tragédie, il dit non, je ne l'ai pas voulu, je l'ai permise. Même cette tragédie, il dit oui, il y avait un but derrière. Ma Bible dit que parfois Dieu châtie, Dieu corrige. Il apprend l'obéissance par la souffrance. Il châtie ceux qu'il aime afin de les faire participer à sa sainteté. Même en toute chose, il a un plan. La foi regarde à ce plan et lui fait confiance pour la manifestation de ce plan. Lorsque ton intelligence s'ouvre pour comprendre qu'il ne permet pas une douleur en vain, tout ce qu'il permet a un objectif. Tout ce qu'il permet va asseoir à l'intérieur de toi des vertus, des mémoires, des souvenirs, des gratitudes, de l'humilité, de la simplicité, de l'amour, de la douceur. Tout ce qu'il permet va produire quelque chose en toi, appelé dimension d'autorité augmentée. La souffrance a un objectif, elle n'est pas vaine. La mort a un objectif, elle n'est pas vaine. Toutes ces choses concourront, contribueront à construire et à bâtir un Christ pleinement formé, un témoin. Et il me dit, tu ne te souviendras plus de tes douleurs. Tu ne te souviendras plus des labeurs d'autrefois. Parce que j'aurai totalement essuyé tes larmes. Je t'aurai totalement consolé. Tu ne pleureras plus à cause des douleurs. Tes seuls pleurs seront des pleurs d'action de grâce, des pleurs émus, juste parce que tu constateras la bonté. Comment de toutes ces circonstances, comment il a réussi à additionner tous ces malheurs, toutes ces calamités, toutes ces chutes, toutes ces épreuves. Comment as-tu fait? Même lorsque les hommes ne croyaient plus en moi, comment as-tu fait pour additionner toutes ces rétrogrades, ces allers-retours vers toi? Comment as-tu fait pour les additionner et engendrer néanmoins un témoignage à la gloire de ton nom? Quand tu verras ça demain, je te promets, tu ne pleureras plus à cause de ce que tu as perdu. Tu pleureras parce qu'il t'a fait gagner. Tu ne pleureras plus à cause de ce à quoi tu as renoncé. Tu pleureras à cause de ce qui t'a fait saisir. Ah, comment? Ah, yadadaba kessa. Le kadama le brogosa. Il est kadama de le brogosa. Il est kadama de le brogosa. Il est kadama de le brogosa. Ne connais pas les voies de Dieu. Tu fais. Même quand tu ne comprends pas, même quand tu le sais,
pourquoi. Ce soir, loue seulement, proclame seulement, reconnais seulement. J'ai un plan, loue seulement. Alors tu vas encore élever la voix, tu vas encore simplement louer. Tu vas lui dire merci. Je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance. Je veux juste louer parce que tu as agi. Je veux te louer parce que tu as agi. Je veux te louer parce que tu as compassion. Je veux te louer parce que tu as un plan. Je veux te louer parce que tu es en train d'exécuter ton plan. Ça n'a pas l'air d'être un plan. Ça a l'air d'être totalement improvisé. Non, rien n'est improvisé avec Dieu. Tout est planifié. Ouais, mais il y a une révolte dans le ciel. Il y a Lucifer, Satan qui a pris un tiers des anges. Il est en train de semer la pagaille. Ne t'inquiète pas. Ça aussi, c'était planifié. On ne le prend jamais au dépourvu. Il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Il connaît tout, il veut tout, il est partout, il voit tout, il sait tout. Je te loue pour ton plan. Je te loue pour ton plan. Nous te louons. Son plan, c'est sa volonté. C'est un architecte ne fait rien sans plan, ce n'est pas un improvisateur, un architecte n'est pas un bricoleur. Quand tu vas voir le travail de l'architecte, tu ne comprendras pas. Parfois il commence par la démolition, et quand tu vois la démolition, tu dis mais comment peut-on bâtir? On est en train de me démolir. Ma vie est en train d'être démolie. Mon âme est en train d'être démolie. Mon espérance est en train d'être démolie. Ma santé est en train d'être démolie. Mon foyer est en train d'être démolie. Comment pourrais-je louer ainsi? Il me dit de te dire, je suis le sage architecte de tous les âges. Loue-moi pour mon plan. Proclame mon nom. J'ai un plan, tu ne comprends pas mon plan. La démolition ne signifie pas l'anéantissement. Non, ça fait partie d'un plan. Qu'importe ce que tu as perdu, tu gagneras mieux que cela. Qu'importe à quoi tu as renoncé, tu saisiras mieux. Accepte de mourir. Tu ressusciteras à une vie nouvelle. Nous louons ce soir l'architecte de nos vies. Louange à l'architecte. Louange au bâtisseur. Louange au producteur. Louange au gouverneur. Au commandant d'un chef. Au bâtisseur de l'église. Comment?
C'est vrai, dans quelques exceptions, notamment lorsque tu es nouveau-né dans la foi, tu auras l'impression que Dieu a agi vite. Il y a certaines personnes auxquelles ça arrive. Tu viens de te convertir et Dieu t'a manifesté cette grâce. Tu dis, wow, Dieu est bon. C'est merveilleux. C'est vrai. Et dans la plupart des cas, Dieu n'est pas en avance. Dans la plupart des cas, Dieu n'est pas celui qui parle avant les autres. Il laisse parler les voix démoniaques. Il laisse parler les voix humaines. Dans la plupart des cas, Dieu attend que la situation semble vraiment, vraiment, vraiment compliquée, désespérée. Dieu, pas tout le temps, mais dans la plupart des cas, il ne vient pas trop vite. Dans la plupart des cas, c'est pour ça que Job a dit, je sais que mon rédempteur vit et il se lèvera le dernier. Il laisse d'abord les hommes se lever, il laisse les démons essayer, il laisse les hommes essayer, il laisse les choses essayer, il laisse les circonstances essayer. Il ne vient pas trop vite. Pourquoi? Je ne sais pas te dire. Mais c'est une de ses caractéristiques. Peut-être est-ce pour que tu puisses dire que les torrents de la mer, les torrents de la mort m'avaient environné. Les flots m'avaient quasiment submergé. Peut-être qu'il permet ça pour que tu puisses donner un témoignage. En disant, j'étais quasiment mort. J'ai invoqué l'Éternel. Et il m'a entendu mon cri. Et il m'a secouru. Peut-être est-ce pour faire sortir un témoignage indélébile, un témoignage qui jamais ne va s'effacer, de gratitude à la gloire de son nom. Je ne le sais. Mais une chose est certaine. Loue-le. Louons-le. Car il y a un plan. Il y a un plan qui est en train d'être déroulé. Loue-le pour le plan. Et ensuite, demande-lui. Dis-lui, disons-lui. Même là où ça a l'air compliqué. Accomplis toutes choses selon ton plan. Parce que ton plan, c'est le modèle céleste. C'est la volonté qui est dans le ciel. Ne laisse pas les volontés humaines terrestres. Non. Je te demande ton plan, tes projets, tes desseins, ta volonté, ta manière, ta méthode, tes sentiers, ton cheminement, ton témoignage. Que tout soit ton, pas moi, toi, toi et toi. Toi, ton, tu, tes. T'es seul. Élève la voix pendant quelques secondes. Il est uniquement ton plan, uniquement tes desseins. Ah, dis merci pour les plans. Dis merci pour son plan. Dis-lui, tu as un plan. Je sais que tu as un plan. Je sais que tu as un plan. Il y a un sens dans tout ça que je ne comprends pas. Mais merci d'accomplir ton plan. Merci de faire parler ton plan. Merci pour ton plan. Dis-lui, je renonce à mon plan. Je renonce à ma volonté. Je renonce à mes projets. Les
Déjà, j'ai trop souffert déjà pour ne pas voir ta volonté. J'ai trop persévéré déjà pour maintenant imposer ma volonté. Non, j'ai déjà trop attendu. Ce n'est pas le moment de céder. Ce n'est pas le moment de craquer. Abraham ne va pas vers Agar. Attends, Isaac, c'est la saison. Dis-lui, non, non, mais ta volonté. Non, pas ma volonté. Je réclame le modèle du ciel. Je réclame la manière du ciel. Je réclame les sentiers du ciel. Je réclame les solutions du ciel. Ce Dieu était préparé en avance avant la fondation du monde. J'ai déjà enduré le puits. J'ai déjà enduré Potiphar. J'ai déjà enduré la trahison de mes propres frères. J'ai déjà enduré les fausses accusations de Madame Potiphar. J'ai déjà enduré le jugement de Potiphar. Maintenant en prison, je ne veux plus ma volonté. Parce que dans la prison, si j'applique ma volonté, je sortirai peut-être comme un homme libre. Et je sortirai totalement vide. Alors accorde-moi de supporter encore un peu, d'endurer encore un peu.
Jusqu'à ce que Pharaon fasse le rêve. Jusqu'à ce que les opportunités se mettent ensemble. Afin que toutes choses concourent ensemble pour le bien de ceux qui aiment, pour le bien de ceux qui ont persévéré dans la soumission à sa volonté. J'ai payé trop de prix déjà pour me contenter de ma propre volonté. Alors je demande le modèle du ciel, parce que c'est le modèle du témoignage, c'est le modèle de la distinction, c'est le seul modèle, c'est le seul plan qui inclut les intérêts composés, les intérêts composés, des intérêts composés, des intérêts composés, des intérêts composés, composés des composés, composés des composés, des années, des épreuves, des souffrances, des morts, des renoncements qui ont été capitalisés. Lorsque ta volonté parlera, ça sera soudainement une merveille aux yeux des hommes. Ça sera un prodige, un sujet d'étonnement, un sujet de louange. Ça sera un sujet de rire. Tu vas rire tout seul dans les rues. Tu vas rire tout seul. Tu vas rire seul dans ta chambre. Tu vas dire, il n'y a que Dieu pour faire ce genre de choses. Il n'y avait que Dieu pour faire cela. Ça sera comme Sarah. Ça sera un rire de joie. Accomplis le modèle. Nous louons l'architecte. Nous célébrons celui qui a un plan. Et c'est le plan que tu manifestes. Non, non, mais ta volonté. Joseph. Il me dit, Joseph. Attends. Le Saint-Esprit me dit, Joseph. Tu as déjà enduré le puits. Tu as su faire. Tu as enduré le puits. Le mépris de tes frères. Tu as enduré Potiphar. Le jugement de celui que tu servais. Joseph, tu as déjà enduré les fausses accusations. Tout ça ne ressemble à rien. Ne fait partie d'un plan. Maintenant que tu es en prison, quand tu es en prison, ça veut dire que tu es dans la saison. Ça veut dire que tu es dans la dernière étape. Ça veut dire que le modèle céleste est sur le point d'apparaître. Mais il me dit de te dire, Joseph, ne te plains pas. Ne va pas voir le chef de la prison en disant, je suis innocent. Je suis innocent, je n'ai jamais rien fait. Joseph, ne cherche pas à sortir de cette prison. Meurs, Joseph. Ça veut dire, arrête de te défendre. Arrête de dire, je suis innocent. Parce que si tu insistes et qu'on te sort de prison, tu vas aller où? Et ces années que tu as endurées, et ces années où tu as tant souffert, tu vas sortir vide, nu, sans rien. Et même si tu étais innocent, et alors, tu as perdu des années. Joseph, tais-toi, meurs. Ne réponds rien. Laisse-moi faire. Tu es à la dernière étape du process. Je ne sais pas à qui je parle, mais tu es à la dernière étape.
Là, accepte-le de mourir. Arrête de te défendre. Arrête de t'apitoyer. Arrête de te plaindre. Arrête de t'inquiéter. Arrête d'angoisser. Arrête de paniquer. Meurs, 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 Joseph. Ne dis plus rien. Parce que à force de parler, à force de te défendre, à force d'expliquer, à force d'argumenter, tu risques de pousser les hommes à avoir pitié de toi et à dire sors de prison, tu n'avais rien fait. Mais c'est pas les hommes, ce ne sont pas les hommes qui doivent te sortir de la prison. C'est moi qui dois te sortir de la prison. Je ne te sortirai pas. Je ne te sortirai pas de la prison par le chef des prisonniers. Je te sortirai par un décret, un décret officiel, une promulgation au journal officiel du royaume des cieux, édicté par Pharaon lui-même en personne. Oh, par ma volonté. Dans la dernière étape avant le mariage, tu es dans la dernière étape avant l'élévation, tu es dans la dernière étape avant la guérison, tu es dans la dernière étape avant la délivrance, tu es dans la dernière étape avant la libération totale. Mais arrête de te plaindre, mort, laisse-moi faire. Ça fait partie d'un plan, la fin d'une chose. Que son commencement, laisse-moi faire, Joseph. Laisse-moi faire. Alors demande-moi par ma volonté. Demande-moi le plan céleste, le modèle céleste, la vision céleste. Je te loue de ce que tu as un plan. Et c'est ce plan qui s'accomplit. J'accepte d'arrêter de me battre. D'arrêter les efforts humains. D'arrêter de persuader. D'arrêter d'essayer d'attirer l'attention. D'arrêter d'essayer de manipuler. De me plaindre. D'attirer l'attention. Arrête ça! Il me dit meurs seulement. Laisse-moi faire. Ne compromets pas mon plan. C'est la saison. Je n'ai pas fait tout ce chemin. Je réclame les intérêts composés, des intérêts composés, décomposés, décomposés. Non, non. Architecte en personne chrétienne, accomplis ta volonté. Bébé, tu ne permets pas la douleur en face. Voilà pourquoi je te louerai. Je loue le planificateur. Je loue l'architecte qui a un plan parfait. C'est ce plan qui s'accomplira. Voilà pourquoi il me disait, loue seulement, tu ne connais pas mon plan, loue seulement, élève seulement, reconnais mes bienfaits seulement, ce soir
proclame mon nom seulement. Papa, papa, je fais un trop long chemin. Tu as trop attendu le mariage. Ce n'est pas maintenant que tu vas te compromettre, Joseph. Laisse-moi faire. Arrête tes efforts. Laisse-moi opérer ma planche. Fais-moi conscience. Et loue-moi pour mon plan. Élève mon nom. Architecte de nos vies, bâtisseur. Ce soir, nous te louons pour ta sagesse. Nous louons ta sagesse et ton intelligence, ta prescience, ta capacité à tout connaître en avance et avoir un plan parfait dans lequel tu nous conduis. La démolition sur un chantier donne l'impression que tout n'est que ruine et dévastation. Mais ce n'est pas la fin. Il y a un plan. En ce qui concerne plusieurs d'entre nous, nous avons parcouru un trop lent chemin. Nous avons trop souffert, enduré déjà assez. Nous avons dû tenir ferme. Nous avons encaissé les railleries, les moqueries, les critiques, les calomnies, les fausses accusations, les tentatives de discrédit, de sabotage, les tentatives des esprits d'échec, des barricades sataniques. Il y a un prix qui a été payé. Maintenant, la dernière étape, c'était la prison. Avant l'appel de Pharaon, avant la faveur inexpliquée, la faveur insolente, la faveur qui ne peut, que les autres ne peuvent même pas comprendre, la faveur qui ressemble à une injure, tellement elle est insolente. Pour des ennemis, c'est une injure, une humiliation totale. Pour ceux qui t'avaient combattu, c'est une terreur. Parce que maintenant, tout pouvoir lui a été donné. Sa position est une position d'autorité. Son témoignage est un témoignage extraordinaire. On reconnaît la main invisible du Dieu dont il parlait, du Dieu dont elle parlait avant. Le problème, c'est que quand on voyait dans le puits, quand on te voyait dans la maison de Potiphar, et dans la prison, on n'avait pas l'impression que Dieu était avec toi, mais il était déjà avec toi. Mais tout cela faisait partie d'un plan. La restriction faisait partie d'un plan. La limitation faisait partie d'un plan. Les erreurs ont été permises selon le plan. Nous te louons et nous te louerons toujours, car tu as agi. Manifeste là où nous nous battions hier avec nos efforts humains. Accorde-nous la grâce de ne pas tout saboter, de mourir à l'inquiétude, aux efforts,
ou tentative d'autodéfense. Non, accorde la grâce de fermer la bouche, de garder le silence devant le Seigneur. Maintenant, Père, fais parler ta volonté. Manifeste ta volonté. Et quand tu rends manifeste ta volonté, tu rends manifeste les intérêts composés, décomposés. Tu rends manifeste une consolation surnaturelle divine. Tu rends manifeste les années perdues dont on avait l'impression que c'était perdu. Elles ne sont pas perdues. Elles ont été investies dans le plan de Dieu. Maintenant, rends manifeste ce que tu as prévu selon ton plan parfait pour un personne chrétien, c'est-à-dire pour chacun d'entre nous et pour nous tous en tant que corps. Merci. Tu ne laisses pas parler notre volonté parce que nous sommes plus d'une personne à accepter de mourir à nous-mêmes et de te laisser manifester le modèle céleste, ta volonté sur la terre comme au ciel. Merci. Amavo, mais ta volonté. Nous levons les mains. Pas ma volonté, mais ta volonté. Pas ma volonté, le modèle céleste. Mais ta volonté, nous te louons car tu as ton plan et tu l'as compris. Mais ta volonté. Ta volonté sur un bassin chrétien, ta volonté pour ton église en Europe, ta volonté pour ton église en France, ta volonté pour là où tu nous as établis, ta volonté dans nos vies, dans nos foyers, mariage, travail, santé, ta volonté pour nos finances, ta volonté. Nous n'allons pas contribuer nous-mêmes avec notre manque de sagesse à frustrer ta volonté, non. Nous acceptons de renoncer à nous-mêmes. Nous acceptons de mourir, de ne pas nous défendre. Nous acceptons de ne pas essayer avec nos efforts. Nous te laissons manifester ta volonté. Ta volonté fermera la bouche de nos ennemis. Ta volonté les réunira au silence. Ta volonté, waouh! Ta volonté sera un sujet. Ta volonté causera la terreur. Parce qu'ils auront la preuve que Dieu avait toujours été avec nous depuis le temps. Ta volonté manifestée inspirera la terreur. Unirons ce peuple est redoutable. Certainement, le Seigneur est avec lui. Merci.
personne ne peut faire ce que je vois si Dieu n'est pas avec lui. Ta volonté sera un message. Yereba sobi. Yereba keba rasobi. Yereba keba rasobi. Te remercie. Ton modèle, c'est ce que nous voulons. Merci, Père. Nous sommes dans la saison de la manifestation du plan initial. Tu n'es plus au stade du puits, tu n'es plus chez Potiphar. Là où tu es, c'est comme si tes mouvements sont restreints. Tu as une certaine autonomie, mais tu n'es pas satisfait. Et c'est la saison. C'est une question de jour. C'est une question de semaine. Mais ça ne peut pas durer des années, non. C'est pour cette année 2017. Ah, je dis c'est pour cette année 2017. C'est bon maintenant. Amen. Merci. Amen. Père, nous te louons pour ta sagesse, pour tes plans parfaits. L'enfer a essayé de nous décourager. Tout au long du cheminement. Mais merci de ce que ta grâce nous a rendus capables de tenir. Qu'importe l'état d'épuisement, tant que tu as tenu. Ce n'est qu'une question de jour ou de semaine, mais pas d'année. Je ne sais pas de quoi je parle, mais ce n'est pas une question d'année. Non. C'est pour 2017. Voilà pourquoi nous te louons. Car tu as agi. C'est pourquoi nous te louons. Nous chanterons à la gloire de Dieu. De nous avoir accompagnés, portés, conduits ce soir. Nous te rendons toute la gloire. Merci. Nous serrons cette parole. Le plan est sur le point d'être visible. Le modèle divin. Pas des efforts humains, le modèle divin. Mais je précise. Ce modèle divin est pour ceux qui acceptent de mourir. Parce que si tu es vivant, tu vas bousculer et tu vas empêcher son plan. Et tu vas, à force de tes efforts, accoucher tes efforts humains, ta volonté humaine. Mais dans cette saison où tu es à terme, tu es à terme, tu es à terme, tu es à terme. Laisse-le faire sortir. Laisse-le manifester. Au nom de Jésus, merci. Nous prions que la grâce de notre Seigneur Jésus, nous prions que l'amour de Dieu, notre Père, nous prions que la communion du Saint-Esprit demeure avec nous dès maintenant et à jamais. Dans le nom de l'architecte, dans le nom du bâtisseur, dans le nom du sage architecte, amen. De celui qui a un plan pour nos vies, amen. Dans le nom de celui qui fait tout à merveille, amen. De celui qui fait sa volonté sur la terre, amen. Exactement selon le modèle d'en haut, amen.
dans le nom de celui qui récompense. Amen. Avec les intérêts, des intérêts. Amen. Des intérêts, des intérêts. Amen. Des intérêts, des années de retard. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Notre rémunérateur. Amen. Celui qui rémunère notre foi. Amen. Celui qui rémunère notre persévérance. Amen. Celui qui a libéré la grâce de tenir ferme. Amen. Celui à qui nous ne serons pas confus. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous t'avons ainsi loué. Amen. Avec action de grâce. Amen. Amen. Tout à merveille, selon son plan parfait. Amen. Nous appelons à manifestation ce plan. Amen. Sur l'église et sur nos vies. Amen. Nous ne serons pas confus. Amen. Mais nous voyons les intérêts des intérêts. Amen. Les intérêts soudainement surgissant. Amen. Ce sera un prodige. Un témoignage à sa gloire. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. 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 De Marie, lorsqu'elle entendait tout ce qu'on disait au sujet de son fils, la Bible dit de Marie, elle gardait toutes ses paroles dans son cœur. Il était enfant, mais toutes les prophéties, celles de Zacharie, celles de Anne, la Bible dit, elle gardait ses paroles dans son cœur. Garde ces paroles dans ton cœur. Chante-les dans ton cœur. Loue le plus grand et sage architecte de tous les âges pour son plan parfait. Il s'accomplit, c'est cette saison. Au nom de Jésus. Excellente soirée à vous. Les chemises d'impact de conférence ont commencé à arriver. Je vous préviens déjà, la qualité cette année est tellement excellente que ça va aller très vite, je suis sûr. Ça va aller très vite. Donc, prenez vos chemises dès que vous pourrez pour un pas de conférence. Et les autres campus aussi en demandent, donc on doit les dispatcher. Et ça va aller, on va se serrer. Voilà, excellente soirée à vous. Et je veux que tu dises à ton voisin, dis-lui quelque chose, je ne sais pas, dis-lui quelque chose que tu as retenu. Voilà, dis-lui quelque chose que tu as retenu. Excellente soirée à vous. Au nom de Jésus.